sans Mbappé, c'est comme si le Brésil joue sans Vinicius. C'est évidemment un énorme handicap. Ah mais c'est même une catastrophe. Ce serait une véritable catastrophe. Voilà. Maintenant, j'attends quand même la suite. Il faut raison garder le diagnostic, parce que c'est le premier match d'un Euro qui finira avec ou sans nous le 14 juillet. Le 14 juillet, dans un mois. Bon, moi, je vais attendre les nouvelles médicales plus précises pour voir le degré de gravité de cette fracture du nez et soignable ou pas. Nicolas. Allez-y. Je veux revenir une fois de plus. On en a déjà parlé, mais ça me travaille sur cette saison. Je ne vais pas dire en enfer, faut pas exagérer, mais cette saison très compliquée, très contrastée que vit Kylian Mbappé depuis la préparation du mois de juillet-août avec le PSG. Voilà. Il était lofter, on rappelle, il avait raté la première journée, il s'est arrangé in extremis avec ses dirigeants sur un modus vivendi, apparemment sur un contrat tacite que les dirigeants du PSG n'ont même pas tenu, jusqu'à son départ pour le Real Madrid, ça n'a été que des galères. Malgré ça, il a quand même marqué 51 buts, il est impliqué encore ce soir très fortement, mais c'est une saison de souffrance pour Kylian Mbappé. Comment l'équipe de France peut jouer sans Mbappé face aux Pays-Bas, la Pologne et plus ? Ah, ça, c'est une excellente question, on n'avait pas prévu de se la poser, messieurs, on va être très clair. Il va peut-être falloir se la poser au fil des minutes et au fil des nouvelles que l'on a. Juste pour revenir sur ce que disait Geoffroy, je trouve que c'est un peu dur de convoquer la théorie du karma par rapport à tout ce qu'a vécu Kylian. Il était très bien ce soir sur la pelouse, peut-être pas encore à 100%, c'est vrai, dans ses attitudes, mais bon, en seconde période, il se crée quand même une énorme situation et s'il se casse le nez, ben, c'est aussi un manque de chance. Alors après, on l'interprète comme on veut. Ce qui est sûr, c'est que sans lui, il y a quand même un réservoir hyper important de joueurs. On a vu un Ousmane Dembélé, pas forcément à son avantage, mais on a également Kingsley Coman qui n'était pas encore en état pour ce soir rentrer en jeu, mais qui revient bien et qui est quand même un joueur important. On a vu aussi Bradley Barcola par séquence montrer des choses intéressantes. On a quand même Marcus Thuram, Olivier Giroud, ça permettra peut-être aussi de recentrer plus Antoine Griezmann qui est apparu emprunté, victime aussi en partie de la nouvelle animation offensive des Bleus, mais peut-être pas au top physiquement. Donc voilà, évidemment que ce ne sera pas la même vie si d'aventure Kylian Mbappé devait déclarer forfait dans les heures qui viennent pour la suite de l'Euro. Et évidemment que les chances des Bleus seraient réduites, mais on a quand même la chance d'avoir un sacré réservoir de joueurs à tous les postes et dans tous les compartiments du jeu. Mais je ne vois pas en quoi la théorie du karma, ou appelons ça de la malchance, peut être contredite ce soir. On voit, lui-même l'a dit, on voit depuis le début de saison que Kylian Mbappé, il l'a dit lui-même, qu'il avait vécu presque l'enfer. On voit qu'il n'y a finalement que des souffrances, que des difficultés, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient physiques et aujourd'hui qu'elles soient médicales. Enfin, ou alors c'est mes yeux, Louis, mais moi il me semble qu'il y a quand même quelque chose depuis ces derniers mois chez ce garçon qui tourne pas tout à fait rond. Voilà. Et malgré tout, ça n'empêche pas qu'il est, c'est un immense joueur, que c'est le capitaine de l'équipe de France, que c'est une conscience, même une conscience politique qui s'est révélée récemment. Mais il me semble qu'en ce moment, les éléments sont plutôt contre lui. Philippe. Oui, alors pour mettre Louis et Geoffroy d'accord, en bon centriste que je vais être l'espace de 5 minutes. Pour une fois. c'est une course à obstacles. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de contrariétés dans la saison d'Mbappé depuis même pas son entame, la préparation jusqu'au bout. Donc on est d'accord. Mais d'accord, mais par contre, quand Louis vous dit, c'est pas forcément une histoire de karma, parce que le karma, ça renvoie karma, ça renvoie à une justice immanente Interprétation. Après, chacun a sa vision du monde et exprime ça comme il veut. C'est audible. C'est une saison pleine de problèmes. C'est surtout, c'est la première fois qu'à son âge, contrariété pour lui, c'est vrai. Il va avoir 26 ans en fin d'année, c'est la première fois qu'il connaît autant d'événements contraires dans une période si rapprochée. Complètement. Il a même rappelé, lors de sa première conférence, je crois, au Rassemblement des Bleus pour la préparation de cet Euro, alors qu'on ne l'attendait pas là-dessus, à quel point sa saison avait été une souffrance. Voilà. Bon, ok. D'accord. Dont acte. Ok, mais encore une fois, maintenant, la question... voilà, ça va être après le débat politique d'hier, un débat médico-sportif qui a déjà commencé. J'ai débattu pendant 3 semaines sur le cas Antoine Dupont. J'ai mes arguments peux ressortir. Et d'ailleurs, vous savez, Nicolas, vous me reparlez d'Antoine Dupont. Mais bien sûr, parce que... Moi, je pense... Vous parliez du Brésil tout à l'heure avec Vinicius. Moi, je vais vous rappeler le Brésil avec Neymar. Bien sûr. Combien de fois
on a vécu un Neymar envoyé à l'hôpital pour les 6 prochains mois et que le Brésil a tout fait pour rafistoler, à l'image de Dupont en rugby. Mais sauf que Neymar, ça n'a jamais marché. Enfin, ça, oui, au bout du compte, il a fini par craquer. Voilà. Mais là, on est loin de Mbappé. Vous avez raison. Je souhaite surtout pas à Mbappé le sort de Neymar ces dernières années. Non. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il se dit à l'heure actuelle? On vous confirme ce que nous disait Xavier Giraudon. On a eu également une source qui nous a fait part de son inquiétude, une source dans l'entourage proche des Bleus qui nous a dit qu'il avait vu Kylian Mbappé et qu'il y avait une vraie inquiétude concernant la suite de l'Euro et a priori sur les prochains matchs, en tout cas celui de vendredi, ça paraît d'ores et déjà terminé. Donc voilà, on va attendre évidemment les examens médicaux, mais il y a une vraie source d'inquiétude et forcément ça nous renvoie alors dans un contexte évidemment complètement différent à ce qui s'était passé avec la blessure de Karim Benzema au Qatar qui avait lancé dans de drôles de conditions quand même l'épopée des Bleus. Oui. Louis Vix avec Ikram Chikesh à Düsseldorf. L'AFP annonce à l'instant que c'est bien une fracture du nez et que Kylian Mbappé sera opéré à l'hôpital universitaire de Düsseldorf directement. Oui, bon, donc, voilà. Donc déjà on oublie les phases de poule. Ok, si il revient. Maintenant, Louis faisait référence au Qatar 2022. Benzema donc n'a pas pu participer au Mondial, mais il y avait Mbappé. Le problème, c'est que là, sans Mbappé, qui y a derrière? Il n'y a pas le niveau équivalent. Et donc, du coup, on va se retrouver orphelin. Alors, ouais. On a, je le redis, on a dans le groupe les joueurs, la possibilité d'animation offensive différente qui peuvent compenser l'absence de Mbappé sur la phase de poule. Mais à partir des matchs à animation directe, là où on est censé avoir la plénitude de nos moyens physiques et de notre jeu, ça va être très, 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 très compliqué. Et les informations arrivent petit à petit. Donc opéré à l'hôpital universitaire de Düsseldorf, où il est déjà en cours de transfert, l'opération sera donc vraisemblablement dans la soirée ou dans les prochaines heures. Très rapide. C'est absolument fou ce qu'on est en train de réaliser ce soir. L'équipe de France a gagné il y a à peine plus d'une heure son match face à l'Autriche, a perdu dans les dernières minutes Kylian Mbappé, touché au nez. Vous voyez cette photo, c'est l'image de la soirée. Elle va faire le tour de la planète, à l'image, à la hauteur de l'importance que représente Kylian Mbappé dans le sport mondial. Mbappé est perdu pour les prochains jours, les prochaines semaines. Oui, bah c'est bah écoutez, c'est fou. C'est fou. Ça vous rappelle. Enfin, on a connu un mondial 2002 sans Zidane, ou quasiment sans Zidane. Ah, alors, oui. Qui s'est blessé juste avant, qui n'a même pas joué le premier match. C'était la fameuse cuisse. Bah, on a vu le résultat. Voilà. Mais oui. D'où peut-être un pessimisme qui va nous gagner. En tout cas, encore une fois, on a les éléments, on a le groupe pour surmonter cette absence jusqu'au huitième de finale. Après. Forcément, ça sera plus compliqué. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que c'est le moment où un Giroud, pour sa dernière compétition, et ce n'est pas une question de niveau de jeu, est capable d'entrer en jeu pour porter le groupe à un niveau qui, normalement, doit être le sien, c'est-à-dire aller vers les demi-finales. Bon, de toute façon, et c'est simple, hein, il suffit d'égrener les possibilités. En pointe, il y a Thuram, il y a Giroud, il peut y avoir Colomboigny. À gauche, il peut y avoir Thuram et Barcola. En sachant qu'à droite, il y a du Dembélé ou du Coman qui devrait revenir rapidement. Louis avait raison, bien sûr qu'on a des super attaquants. Mais je vous rejoins, Geoffroy. Oui. Pour moi, c'est une catastrophe parce que des Mbappé, si on doit définitivement, je ne le souhaite pas, s'en passer, il n'y en a qu'un. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe de France a gagné mais a perdu l'Euro ce soir-là? Si on a perdu Mbappé, moi j'accepte la question. Moi je vais vous donner mon avis, je ne vois pas comment. Va falloir trouver le rebond, en tout cas. La question se pose. Quand on a vu son influence sur le jeu des Bleus, on a vu l'Allemagne convaincante, on a vu l'Angleterre encore en progrès évidemment, on a vu l'Italie, l'Espagne, une Espagne très intéressante. Et on se dit qu'il n'y a aucune de ces équipes qui est à ce point dépendante du surtalent. De son meilleur joueur. L'Angleterre, Bellingham. Je suis même pas sûr que Bellingham soit aussi. Ouais, mais c'est kiff-kiff. Non, mais c'est, bien sûr, c'est important, mais il a pas le même poste. C'est un milieu. Non. Mais... Devant, il y a Harry Kane qui est censé aussi mettre les buts. Là, on se dit que oulala, sans Mbappé. Et puis vous savez, Geoffroy, vous rappeliez sa saison. Bon. Difficile, on est difficile. D'accord. Difficile. On est d'accord. Difficile. Sans même parler de karma, c'est un mot excessif, okay. Je l'entends. Mais... Non, mais on s'est expliqué, tout va bien. Voilà. Difficile en majuscule. Et combien de critiques pendant des mois et des mois sur Mbappé? Moi, je pense que tous ceux qui l'ont critiqué, alors que moi, personnellement, je l'ai plutôt défendu, parce que je trouve qu'il a eu, pour la première fois de sa carrière, en face de lui, des contraintes énormes,
est monstrueuse depuis le début de la saison. Mais tous ceux qui l'ont critiqué, aussi critiquable fut-il, pourquoi pas, si jamais il est forfait, eh ben je pense qu'ils vont apprendre à le regretter eux aussi. Est-ce que, avec la perte annoncée, au moins pour le premier tour, au moins, je ne suis pas médecin, mais on pense que la fracture comme ça ne peut pas se remettre comme, du jour au lendemain. Donc avec cette perte pour le premier tour, est-ce qu'on imagine que l'équipe de France va se solidifier, va gagner en cohérence, en puissance, en plaisir de jouer? Je ne suis pas certain. En plaisir, peut-être pas, mais... Non, mais parce qu'on parle des matchs, des premières victoires sous Deschamps. En général, c'est poussif. Et puis on monte en puissance à partir des huitièmes de finale. France-Argentine 2018, par exemple, avec un exceptionnel Kylian Mbappé. Là, la possibilité existe. J'ai même envie de dire, c'est une quasi-certitude, qu'il ne sera pas prêt pour le huitième de finale, oui, si on se qualifie. Et du coup, c'est plus du tout la même histoire. Sans Kylian Mbappé, qui est quand même le meilleur joueur français, un des meilleurs attaquants du monde, pardon, qui porte le numéro 10, hein, ce numéro emblématique pour les Français, Platini, Zidane et j'en passe, je suis évidemment un peu plus pessimiste ce soir. Inquiet, c'est vrai. Est-ce que vous cédez au catastrophisme, Philippe ? Je dis qu'un éventuel forfait d'Mbappé, jusqu'à ce qu'il soit éventuellement définitif pour cet Euro, c'est une catastrophe. Alors là, c'est vraiment le mot de la soirée. Sans être pour autant catastrophiste, car j'ai toute confiance en notre effectif offensif assez unique en Europe, puisque c'est un Euro, j'ai toute confiance en la qualité du staff. Didier Deschamps, le premier, très abattu en conférence de presse pour cette précise raison ce soir, pour nous trouver, nous inventer la formule la meilleure possible. Mais perdre Mbappé dès le premier match dans un Euro pour un certain temps, voire pour toujours, oui, c'est une catastrophe. Et honnêtement, quand je suis venu au travail tout à l'heure comme vous, c'était pas l'idée que j'avais en tête. Ben non. Mais surtout, on en a parlé, mais j'ai envie d'en reparler parce qu'il se blesse comment ? Allez-y, Geoffroy. Ah, allez, on y revient. On sait que Kylian Mbappé n'est pas un joueur de tête. Bon, il a marqué assez peu de buts dans sa carrière de la tête. Il est même rétif à jouer de la tête. Et on sait pourquoi, depuis une commotion cérébrale qu'il avait subie contre le joueur de Guingamp, Christophe Kerbrat, lorsqu'il était encore à Monaco, à l'été 2016. Et là, il va faire un coup de tête à la Giroud. Normalement, c'est Giroud qui va mettre cet engagement pour une tête piquée, j'ai envie de dire rageuse. Et il se fracasse le nez sur l'épaule de Danso, qui lui n'a pas bougé. Danso, alors là, imperturbable, je veux dire inébranlable. Et donc, c'est sur une action... hors norme dans le jeu de Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé va mettre son euro en péril et peut-être avec lui le destin de l'équipe de France. Je trouve ça d'un paradoxe affligeant et terrible. Oui, mais il n'y a que 1-0 à ce moment-là, Philippe. Mbappé joue le ballon à la tête et peut marquer. Il n'a pas marqué, il a eu deux occasions. Ne me reprochez pas, mais ça y ressemble un petit peu. J'ai l'impression qu'en filigrane, vous nous dites qu'il ne fallait pas aller le jouer, ce ballon aérien. Bah oui. Bah non. Ben pour moi, si. Enfin, oui, mais dans ce cas-là... Vous dites il fait un acte hors norme par rapport à ses habitudes, ses qualités. Oui, parce que c'est, pas, ben, c'est pas son jeu. C'est un joueur de foot, il est attaquant. Il y a un centre, il joue le ballon de la tête. Non, mais c'est juste banal, bien, en fait. Bien sûr, sur la forme, c'est facile de me donner tort, Philippe. Non, mais même sur le fond. Parce que le joueur de foot... Non, mais vous, Geoffroy, vous allez chercher l'image. C'est pas le sujet, quoi. Je veux dire, c'est pas le sujet. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais vous allez chercher l'image, ce que ça représente derrière ce ballon-là. À ce moment-là, sauf qu'il n'y a que 1-0 et qu'Mbappé a raté deux occasions avant. Je ne reprocherai jamais à un joueur de tirer 30 mètres ou d'essayer de mettre un deuxième but de la tête. C'est pas ça. C'est le paradoxe. Non, mais vous vous dites que ça n'en valait pas la peine. Voilà. Oui. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Mais c'est le jeu qui nous demande. Oui. C'est pour ça que vous avez raison de me rabrouer. Non, mais Bien sûr. Et croyez-moi qu'on ne le fait pas par plaisir. Je suis peut-être encore une fois dans l'excès. Je me dis juste qu'il y a quelque chose de désagréable à constater que Kylian Mbappé se blesse sur le genre d'action qu'il ne fait jamais. Voilà, c'est tout. Bon, ok. Alors, vous savez quoi ? On se met d'accord sur paradoxal. C'était très bien, votre... Paradoxal. Phrase. Voilà, très bien. Très bien. Bon, mais ça reste anecdotique par rapport à notre problème. Hein. Ben non, c'est pas anecdotique, puisque du coup, c'est sur cette action-là qu'il se casse le nez. Alors, mais tiens, le problème, celui qui va le vous mettre nôtre, désormais, quoi. Ah oui. Non, mais on parle d'un joueur, Philippe, on parle d'un joueur qui a marqué 12 buts en Coupe du Monde. Mais bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Ok. 12 buts. Hein, bon. C'est comme. Non, mais c'est pour ça que là. 30 là... secondes pour nous dire et maintenant. Voilà. Et maintenant face aux Pays-Bas. Barcola à gauche. Attendez, je vois pas pourquoi il crèverait pas l'écran. Alors, on rappelle que côté gauche, on peut miser sur Barcola ou sur Thuram. On rappelle que dans l'axe. Est-ce que Thuram vous a donné envie d'être à nouveau aligné ce soir ? Dans l'axe.
Non, c'était un sujet tactique. J'avais beaucoup de plus, moi, à noter ce soir dans ce premier match de l'équipe de France. Dans les moins, j'ai trouvé que Thuram ne se fond pas encore dans le puzzle comme il pourrait mieux le faire, en fait. Mais il est. Vous voulez dire qu'il est pas assez efficace, Qu'il est en manque de repères par rapport aux trois autres éléments offensifs que sont le plus proche de lui Mbappé, mais aussi Dembélé ou Griezmann. Oui, mais pour le défendre, Geoffroy, peut-être, Marcus Thuram, il joue à gauche, mais Mbappé vient à gauche, ou il joue dans l'axe, et Mbappé vient dans l'axe. Ils ont fait que permuter tous les deux. Oui, permuter ou se retrouver souvent au même endroit, et Mbappé avait la priorité. Je n'attaque pas Thuram, oulala, loin. Non, pas du tout. Mais Thuram n'est pas encore, on l'a vu ce soir, pas encore ce qu'on appelle un leader d'attaque. Voilà. Non. Et pour remplacer l'irremplaçable Kylian Mbappé, si c'est nécessaire, encore une fois, on parle encore au conditionnel, j'irai chercher dans l'autre symbole, l'autre emblème des Bleus sous Deschamps, j'irai chercher Giroud. Voilà. Je remettrai Giroud au centre du jeu. C'est peut-être plus le Giroud des grandes années. Il a 37 ans, c'est le plus vieux joueur à avoir porté le maillot bleu. Il a raté d'ailleurs une belle occasion en fin de match. Mais le seul qui me paraît capable, de par son parcours hors norme, de par son existence chez les Bleus, de par ses statistiques, de remplacer, entre guillemets, l'absence, de pallier l'absence de Kylian Mbappé, c'est Olivier Giroud. Mbappé voit-il son euro s'arrêter dès ce soir? C'est une question majeure. Nous ne sommes pas en capacité d'y répondre à l'heure actuelle. Mais vos infos de tout à l'heure étaient vraiment de qualité et intéressantes de par qui nous viennent de l'entourage. Oui, bien sûr, rappelons-le. Parce que pas d'opération. Il y a quand même 10 minutes. Didier Deschamps dit en conférence: moi, je ne sais pas là. J'ai aucune info. L'attaché de presse des Bleus dit: on vous en donnera dès qu'on en aura. Bon, celle que vous avez donnée il y a 10 minutes. Donc l'entourage de Kylian Mbappé rappelle qu'il y aura des examens à venir à l'hôpital. Oh, certainement en cours déjà. Oui, sans doute, parce qu'il a quitté le stade dans une ambulance. La prise de décision quant à une opération attendra. Il y aura une réflexion en tout cas menée entre l'entourage, Kylian Mbappé, l'hôpital et le staff des Bleus également pour voir, pour parler récupération. Et le staff médical des Bleus pour commencer. Oui, staff médical des Bleus, bien sûr. N'oublions pas que c'est un athlète de haut niveau avec des capacités physiques aussi hors normes qui lui permettra peut-être un retour accéléré. On peut pas parce que tout à l'heure on a fait la comparaison avec Antoine Dupont. Enfin, ce soir, on n'est quand même pas optimiste. Non. Kylian Mbappé blessé, nez fracturé. On essaiera d'avoir dans les prochaines secondes des informations en direct de Düsseldorf. Les Bleus ont quand même gagné leur premier match de l'Euro. On va voir Louis, parce qu'on a salué les performances de quasiment chacun des 10 joueurs de champ. N'oublions pas Mike Maignan, parce que s'il y a 0-0, ouais, c'est en grande partie grâce au gardien du Milan. Ouais, il a été énorme Mike Maignan et je pense qu'il ne faut pas minimiser sa performance. Rappelons qu'il a quand même pas du tout connu la même saison que celle de l'an dernier où il avait rayonné avec le Milan AC. Il a été perturbé quasiment tout le temps, surtout depuis maintenant 3 mois par les blessures. C'était l'un des enjeux de la préparation des Bleus. Alors tout s'est bien passé, il a suivi son protocole, son processus et tous les feux étaient au vert. Mais quand même, il a joué les 2 matchs de préparation et ce soir, quelle prestance, au-delà de son arrêt bien sûr décisif qui permet aux Bleus ce soir de s'imposer, qui nous a rappelé l'arrêt par exemple décisif incroyable, cette main en Irlande il y a quelques mois, mais c'est surtout ce qu'il dégage au sein de sa défense. Et puis le jeu au pied, il faut en parler, parce qu'avec tout le respect qu'on a pour le palmarès, c'est l'immense gardien qui a été Hugo Lloris pendant plus d'une décennie en Bleu. Voir un gardien à ce niveau-là, capable, pied gauche, pied droit, d'allonger, d'avoir une telle qualité de passe, eh bien ça change tout dans les sorties de balles de l'équipe de France. Donc voilà, un grand Maignan et les Bleus vont en avoir besoin. J'ai juste terminé en me permettant de jeter une légère pierre dans le jardin de Geoffroy Garrettier, parce que si William Saliba n'a eu besoin que de ce soir pour reléguer définitivement Ibrahima Konaté sur le banc, moi je ne suis pas vraiment convaincu par la prestation du joueur d'Arsenal ce soir. En tout cas, je pense qu'il a encore à prouver. Alors, peut-être approuvé, oui, c'est vrai qu'on peut en débattre, mais ce qui semble sûr, c'est que Deschamps a voulu l'installer ce soir, Geoffroy. Non, mais j'accepte la pierre, puis je la lui renvoie à Louis. Il est évidemment perfectible, William Saliba, mais sincèrement, je trouve qu'il dégage aussi beaucoup de sérénité. Il sort d'une saison magnifique avec Arsenal. Beaucoup de tranquillité. Parfois, là, je rejoins Louis, enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Un peu de facilité, peut-être. Et c'est ce qui énerve aussi Didier Deschamps et le staff technique. Quelques petites relances sous pression, un peu ratées. Un peu de désinvolture. Mais n'oublions pas que c'est un droitier. Mais exactement, qui joue il n'est pas, de son bon côté. Ouais. Il me semble quand même qu'il y a des garanties d'assurance
d'un gros potentiel. Voilà. Après, qu'il ne soit pas 100%, c'est pas... D'ailleurs, ça me permet de dire une chose. C'est que j'ai vu, puisqu'on a dit que les Français avaient gagné une fois de plus leur match d'ouverture sous Deschamps. On a vu des matchs d'ouverture sous Deschamps bien plus terribles. Un France-Australie au Mondial 2018, et même le début du France-Australie 2022 était bien plus terrible. Finalement, il y a pas mal de bonnes nouvelles à sortir de ce match, sauf, malheureusement, l'affaire Mbappé. Et on y revient, Kylian Mbappé, Philippe Geoffroy, on va en parler ensemble, parce que l'AFP sort une dépêche en citant un proche de Kylian Mbappé, nez bien cassé. Bah oui, on a vu la photo, franchement. Donc là, vous êtes en train de me dire que mon info, elle est sympathique, mais que la photo suffit. Non, pas du tout, Nicolas. Et vous avez raison, on va revoir la photo ensemble. C'est la photo de ce début d'été, c'est la photo qui peut conditionner toute la compétition. Regardez le nez d'Mbappé qui vient échoué comme ça sur l'épaule de Danso. Non mais franchement. Rendez-vous compte de ce qui nous attend. L'Euro sans Mbappé, c'est tout à fait possible. S'il a le nez cassé, je vois pas comment il pourrait jouer ni contre les Pays-Bas, ni la Pologne. C'est 10-15 jours minimum. Très franchement, puisqu'on tout à l'heure, on avait cette question. Moi, j'étais plutôt dans l'optique de il jouera pas contre les Pays-Bas. Je peux encore une fois me tromper. Mais vous allez ajouter la Pologne. Ni même contre la Pologne. Et que si Mbappé n'est pas là au moment des huitièmes ou des quarts de finale, ça sera très compliqué pour les Français d'aller au bout. D'accord. Le nez nous paraissait cassé à tous, ça paraît flagrant sur la photo. On en a enfin, merci Nicolas, la confirmation. L'AFP, c'est du sérieux. Le nez est cassé, mais comment est-il cassé? Oui. Est-ce que c'est soignable? Est-ce que ça veut dire forfait pour le prochain match, le premier tour, voire encore plus, ou pas? Je crois que là, il faut encore attendre les examens et ce que vont en penser les médecins. Est-ce qu'on peut juste une petite information, une information importante. Xavier Giraudon, de nos envoyés spéciaux sur place, précise que le staff, à l'heure actuelle, est très, très inquiet. C'est ce qu'il a réussi à obtenir de l'environnement de l'équipe de France. Et c'est logique. Donc on se projette, nous, on joue match après match comme les joueurs. On se projette sur le prochain match, on se dit donc c'est râpé. Donc, si le staff est très inquiet, c'est-à-dire qu'eux, ils se projettent déjà sur la phase d'élimination directe et qu'ils se disent qu'ils vont devoir faire sans Kylian Mbappé. Donc on a de quoi être là, pour le coup, super inquiet. On a un effectif de grands talents, on a des formidables joueurs, on a un Olivier Giroud que ça va peut-être encore booster pour sa dernière danse, sa dernière grande compétition. Mais... Les amis, Kylian Mbappé s'est blessé. Kylian Mbappé, on parle de fin de tournoi. Est-ce que vous y croyez? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. Alors, les gars. L'équipe de France s'est imposée 1-0 contre l'Autriche. Un but d'ailleurs marqué contre son camp. C'est l'Autriche qui marque contre le camp. Évidemment, c'est un but qui a été provoqué par Kylian Mbappé. C'est Kylian qui provoque le but. Donc, si ce match des champs a vraiment mis une équipe très très solide, une équipe qui a vraiment su maîtriser cette équipe de l'Autriche, puisque l'Autriche était sur 7 matchs. L'Autriche était sur 7 matchs sans perdre. 7 matchs sans perdre, toutes compétitions confondues. Cette match sans perdre toute condition convenue. Donc, on parlait quand même d'une équipe qui était solide, qui est arrivée là avec plein de confiance. Donc, il ne faut pas minimiser la victoire des Bleus, les gars. Pour moi, certes, il n'y a pas la manière, certes, c'est parfois chiant dans le jeu, mais c'est très efficace. Ça gagne et ça prend les 3 points. C'est ça le plus important de la compétition, c'est prendre les 3 points. C'est le plus important, les amis. Tu peux aligner mes deux passes et tout, mais si tu ne gagnes pas, au final, on va retenir le vainqueur. Malheureusement, le football, c'est comme ça. On va retenir le vainqueur. On va retenir le vainqueur. Donc, les gars, c'est vraiment une très belle victoire. Surtout que le prochain match, c'est contre le Pays-Bas. Contre le Pays-Bas. Et tu ne dois pas perdre ce match. Tu ne dois pas perdre ce match contre le Pays-Bas. C'est très important, puisque pour moi, c'est la première place. Pays-Bas, Espagne, pour moi, c'est la première place, les gars. On a vu un Kylian Mbappé vraiment qui était en mode capitaine, en mode patron, qui a vraiment porté cette équipe de France contre l'Autriche, puisqu'il est quasiment dans tous les bons coups dans ce match.
l'écrasement dans tout le bon coup avec N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, masterclass. Masterclass, les gars. Il est sorti MVP. N'Golo Kanté est sorti MVP, les amis. Qui pouvait croire cela? Qui pouvait vraiment croire en ce que N'Golo Kanté devait encore être au niveau? On prend un mec qui vient de l'Arabie Saoudite, où on critique le champion d'Arabie Saoudite, que c'est un championnat qui n'est pas compétitif, que c'est un championnat en bois, mais on a vu les performances de N'Golo Kanté. Pour moi, il est encore très performant, très très performant, les amis. Donc, N'Golo Kanté, lorsque Deschamps est parti le chercher en Arabie Saoudite, il y avait des critiques à l'égard de Deschamps en disant que non, pourquoi Deschamps est parti prendre N'Golo Kanté, pourquoi Deschamps a fait ci, pourquoi Deschamps a fait cela. Les gens ont critiqué Deschamps. Et aujourd'hui, les résultats donnent raison au coach, puisque N'Golo Kanté, il a sorti une performance vraiment XXL pour un mec qui vient de l'Arabie Saoudite. C'est vraiment salut. C'est vraiment salut. Après, les gars, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé, le point de ce match, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé s'est blessé au nez. Et là, c'est très inquiétant. On parle même de fin de tournoi. Mais moi, je n'y crois pas trop. Mais il est très probable. Il est très, très probable que le prochain match contre les Pays-Bas, il soit incertain. Il est très probable, les gars. Très, très probable. Et un Kylian Mbappé, sans une équipe de France qui joue sans Kylian Mbappé contre les Pays-Bas, ça sera très compliqué. Très, très compliqué, les amis. Puisqu'on l'a encore vu sans Kylian Mbappé. C'est lui qui crée la brèche. C'est lui qui crée le but. Donc, sans lui, c'est vraiment le désert. Sans lui, c'est vraiment le désert. Certes, tu as des mecs comme Barcola sur le banc qui peuvent également apporter la profondeur, la vitesse. Mais je trouve que des mecs comme Barcola, c'est un peu léger. C'est un peu léger au très très haut niveau. Même s'il joue au PSG, Deschamps lui-même le sait. Il sait que Barcola est encore tendre. Il faut encore le polir. Il faut encore polir Bradley Barcola. Donc, sans Kylian Mbappé, c'est vraiment le désert. C'est vraiment le désert. Et Deschamps, il faudra vraiment qu'il trouve un système qui soit vraiment fiable et efficace. Et c'est aussi parce que ce Pays-Bas-France, c'est vraiment la finale. C'est comme une finale du groupe. Parce que pour moi, c'est la première place qui se joue. Après, partage mon ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et ça, c'est à très bientôt pour notre revue, les amis. Ciao, ciao.